Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit, ici Rock Cholette. Merci beaucoup d'être là. Faites ça assez beau en ce vendredi. Si j'ai pas le temps à la fin, je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez-en. Caroline, que... il me semble qu'on est de bonne humeur de ce temps-là. Il fait beau. Puis on sent la lumière au bout de ce tunnel pandémique. Ça s'en vient. On sent que ça... il y a toutes sortes de petits gestes là, qui sont en train de se faire et qui se posent pour nous donner une liberté retrouvée. Bon, j'ai aujourd'hui Mélie Mello, vendredi, je vais revenir sur plein de sujets, mais tout d'abord, je veux vous demander de partager le post, d'aimer le post, de commenter le post, de me poser des questions ou de faire certains commentaires, de vous abonner à la chaîne. Vous le savez déjà, c'est ce que je vous demande. Ça ferait bien notre affaire. Je vous parle aussi de nos produits dérivés aujourd'hui. Je vais vous parler, je vous ai parlé du coussin hier, je crois. Des casquettes, etc. La tasse, ben, on a deux grosseurs de tasse et le fun. On commence le matin avec ça. Puis ça me rappelle pourquoi on fait le podcast, pour dire, puis je pense que cette semaine, je l'ai prouvé en particulier là, avec mes commentaires sur le 104.7, c'est les vraies affaires. C'est les vraies affaires. Si vous voulez avoir l'heure juste, ben, je pense que, en tout cas, moi, je vous donne une version, puis vous ferez votre tête, mais c'est à peu près ça. Alors, Les vraies affaires zéro bullshit, vous allez sur le site web qui est lesvraiesaffaireszerobullshit.com. Vous pouvez commander dans la section boutique. Toutes sortes de produits, vous avez ça directement à la maison. On y va. Plusieurs sujets aujourd'hui. Je vais commencer avec Justin Trudeau puis le fédéral. Là, c'est dur à comprendre. On a un rapport, puis on sent qu'on sort de la pandémie, puis on a un rapport qui nous indique de la part d'un comité d'experts que les exigences en matière de voyage, c'est-à-dire l'hôtel obligatoire au retour des voyages, on devrait lever ça. Et je pense là, qu'il faut aussi commencer à réfléchir au niveau fédéral d'avoir une date pour être capable de réouvrir la frontière, pour donner à tout le monde qui sont dans l'industrie touristique du voyage un peu une prévisibilité. Le comité recommandait donc d'abolir cette mesure complètement inefficace, d'exiger des gens qui arrivent en avion d'aller à l'hôtel 3 jours pour 3 000 $. Alors que si tu rentres par une voie terrestre, va-t'en chez vous 14 jours. Alors, en termes pandémiques, là, ça ne fait pas grand-chose de différence hein, pour le virus, que tu sois à la maison ou que tu sois dans la chambre d'hôtel. Alors, c'est pas très efficace selon à peu près tous les experts. Le fédéral s'est fait recommander d'abolir ça. Puis le fédéral a agi. Ah oui, il a agi. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté l'amende si tu t'évadais de la prison hôtelière. Bien, au lieu d'avoir une amende de 3 000, ça va être 5 000 $. Fait qu'au lieu d'aller dans le sens du comité, on est allé à l'envers. On a rendu ça plus sévère. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais vous faire. L'autre chose, vaccin. Bon. Au-delà là, de tout, les commentaires que je vous ai faits sur l'AstraZeneca, puis qu'on m'avait menti, puis je m'étais fait fourrer, puis etc. Au-delà de ça, de façon globale, ça va bien. Moi, je suis impressionné du ministère de la Santé, je suis impressionné de Christian Dubé par l'efficacité de toute cette manœuvre et procédure. On est rendu à 75% de taux de vaccination, première dose. On a devancé les deuxièmes doses, les rendez-vous de deuxième dose. On est en avant de la cadence. Fait qu'au-delà de ma petite affaire, là, que je trouve qu'on n'a pas été honnête avec moi, bravo, bravo. Puis si on peut inciter les gens, j'ai dit inciter, pas forcer, puis pas ridiculiser, puis pas mettre dans le coin à l'école là, en disant « Toi, tu vas lever la main ceux qui ne veulent pas y aller. » Ben voyons donc. Mais c'est bravo. Là. Vraiment, là, je suis pas mal content du réseau de la santé. Ces hommes et ces femmes là, qui travaillent très fort. Fait que ça, en termes vaccinal, ça, c'était un autre point. L'autre chose qu'on a appris cette semaine, c'est que, ben, comme sur plusieurs sujets, Horacio a parlé trop vite. Et là, tout indique qu'on va reculer sur l'histoire des balles de graduation. De dire qu'il n'y a pas de balles, c'était une mesure assez draconienne. D'ailleurs, il y a probablement toutes sortes d'aménagements qu'on pourrait faire pour permettre une certaine reconnaissance puis laisser sortir le fou là, de nos jeunes. Moi, je vous ai parlé de ça en disant que c'était irréaliste la position de la santé publique puis du gouvernement, que ça ne pouvait pas se tenir. Ça a pris quelques jours pour me donner raison. Fait que là, on est en train de reculer sur ça et on va trouver un compromis. Est-ce que c'est à l'extérieur, sous chapiteau? Est-ce qu'on va faire... je sais pas, mais on va limiter le nombre? Parce que oubliez pas qu'à la fin juin, on risque d'être en zone jaune ou verte. Où est-ce qu'on va permettre? Puis on permet dans des parcs 2 500 personnes par groupe de 250.
Puis on ne permettrait pas à une école secondaire de faire la même chose sur un chapiteau parce qu'on appelle ça un bal. Fait que si j'appelle ça une balade dans le parc, ça c'est correct. Un festival, c'est correct, mais un bal de graduation, c'est pas correct. L'argument de la santé publique là, tombe assez facilement. Dire, oh ouais, mais c'est pas pareil. Hey, dans un bal, les jeunes, ils prennent un coup. Comme si tu prends pas un verre dans un festival. Puis ouais, mais il y a des rapprochements, hein, franchement. Il n'y aura pas de rapprochement parce que tu interdis les balles. Voyons donc, tu sais. En tout cas. Fait que je trouvais ça bien bizarre puis mal fait, cette affaire-là. Un commentaire à propos de ça. Ce qui m'amène donc à vous dire, en santé publique, probablement que les fonctionnaires qui, eux autres, gèrent la santé publique seulement, OK? Juste la santé publique. Ils n'ont pas d'autres préoccupations, là. Eux autres, trop fort, causent pas. Eux autres, là, des mesures de restriction, si tu as à décider, je penche-tu sur un bord ou je penche-tu sur l'autre? Je penche-tu sur plus sévère ou plus soft, plus mou, plus tolérant? Santé publique n'a aucun avantage, risque pas grand-chose d'être plus sévère. Il va y avoir moins de cas. S'ils font l'inverse, puis il y a bien des cas, ils vont se faire chicaner. Fait en termes d'imputabilité puis de reconnaissance, on risque d'avoir plus de problèmes si on n'est pas assez sévère. Donc, c'est le point que je voulais vous faire. La santé publique risque de toujours pencher sur plus sévère. Aujourd'hui, c'est un triste jour, vendredi, à l'Assemblée nationale, parce que la CAQ a voté contre la motion, le rapport de la commissaire à l'éthique. Et il nous l'avait dit. Fait que je fais deux fois que je vous parle de ça, je ne reviendrai pas longtemps là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, là, l'institution qu'est la commissaire à l'éthique, elle est affaiblie. Parce que le gouvernement, puis la majorité des élus à l'Assemblée nationale a dit « C'est pas grave qu'un des nôtres brise la loi. » C'est un moment triste. Mais il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui qui me révolte aussi, un peu. Puis, ce sont les commentaires de plus, commentaires aujourd'hui de Dominique Anglade, qui, encore une fois, a décidé de lancer sous l'autobus le gouvernement pour lequel elle a travaillé, dans lequel elle faisait partie, le gouvernement Couillard, en disant aujourd'hui que, dans le fond, elle regrettait le vote sur... Parce qu'elle a voté contre l'adoption du rapport de la commissaire à l'éthique, elle aussi, quand elle était là, puis il s'agissait de Pierre Paradis. Je vous en ai parlé de ça. Alors, les libéraux avaient jugé, alors, il n'était plus ministre, mais avaient jugé que c'était une bonne idée de voter contre le rapport de la commissaire à l'éthique. Solidairement, ils se sont tous levés. Dominique Anglade, là, n'a pas dit « ça n'a pas de bon sens, puis je quitte ce gouvernement-là, je quitte ma limousine parce que c'est une question de principe, puis ça n'a pas de bon sens de voter contre ça. » Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a gardé le chèque, elle a gardé la limousine, puis elle a gardé le titre pour être capable aujourd'hui d'être chef. Puis aujourd'hui, Monday Morning Quarterback, elle s'en va renier son geste, renier l'équipe avec laquelle elle a travaillé, renier le chef qui l'a recruté, renier le chef qui l'a nommé ministre, en disant « ouais, c'était pas un bon message, on n'aurait pas dû faire ça. » Et jamais plus on va voter contre un rapport de la commissaire à l'éthique. Qu'est-ce que ça me dit? Crise d'opportuniste. Elle n'a aucune valeur. C'est une ancienne de la CAQ qui a trafiqué ses valeurs pour avoir une limousine. Là, elle est à la tête du parti. Là, sur quelque chose d'important, là, le commissaire à l'éthique, elle garoche sous l'autobus ses principes. Sur la langue, les principes prennent le bord. Sur la laïcité, les principes prennent le bord parce que c'est pas à saveur du jour. Elle n'a pas de colonne. Elle n'est pas capable de se tenir. Puis elle n'est pas capable de défendre ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, c'est Dominique Anglade qui me fait relever le poil. Je ne reconnais pas cet ancien parti-là, mon ancien parti. Avec une chef girouette comme ça. Au lieu de dire « chaque cas doit être évalué » au mérite. Non, c'est épouvantable, j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai avec la déclaration, c'est qu'elle aurait dû le faire le lendemain matin du vote, puis elle aurait dû quitter le parti. Ça, c'est une question de valeur, là. Question d'éthique, là, c'est une question de valeur. C'est pas, je mets-tu assez d'argent dans les hôpitaux, pas assez d'argent, austérité, pas austérité, j'augmente les impôts. C'est pas ça, là, une question de valeur.
Elle a dit, ça n'a pas de bon sens qu'on a voté contre ce rapport-là d'éthique. Puis, paradis, on aurait dû y faire payer ce qui est. C'était fling-flang son affaire. Puis là, aujourd'hui, elle dit ça. Ben, elle n'a pas eu le courage politique de le dire quand elle était ministre sous Philippe Couillard. Qu'est-ce que ça me dit? C'est une crise d'opportuniste. C'est ça que ça me dit. Ça, ça vient me chercher, moi, vous dire. Maison des aînés. Problème présentement dans les CHSLD, bien oui, ils sont vétustes. Bien oui. Bien oui. Problème premier, par exemple, c'est le manque de personnel. La réponse du gouvernement, c'est « Ah, je sais ce qu'on va faire. On va bâtir des maisons des aînés plus petites. » Ce qui va prendre plus de personnel. Ils disent pas comment, là. Ça, c'était la promesse. Là, c'est rendu que chaque chambre, là, on a dépassé les coûts de façon éhontée, puis c'est rendu que chaque chambre va coûter pour la construction 1 million. 1 million dans les petites maisons des aînés. Puis, parce que c'est une promesse de la CAQ, ah, money is no object. On rajoute 10 milliards pour le tunnel à Québec. Money is no object. Je sais pas comment le monde dans le réseau de la santé qui cherche des augmentations de salaire, des profs se sentent, des éducatrices en garderie, des préposés aux bénéficiaires. Pas comment ils se sentent, hein? Quand c'est des promesses de la CAQ, l'enjeu, c'est pas l'argent. Pourtant, reculer, c'est une promesse électorale en masse. Ici, en Outaouais, c'est pas pantoute la même promesse au niveau de la santé. Pantoute. Au niveau de la réforme électorale, pas important. Out, je suis plus populaire, je suis au pouvoir, ça va me nuire. Out. Ils décident bien. Fait chinois. Ah, ça, je vais dire qu'il faut que je respecte mes promesses pour 1, 2, 3. 4, 5, j'en parlerai pas parce que je les respecterai pas. 1 million par chambre, maison des aînés. Pas fini. L'autre chose que je veux vous parler, c'est le tramway à Québec. On apprend aujourd'hui que le tramway, qui somme toute, est assez simple. Il est long, mais il est assez simple à réaliser. Qu'il va être retardé minimalement d'1 an, il n'y a pas de soumissionnaire. Ça me fait penser à Gatineau. Puis nous autres, on s'en va bâtir un tunnel en dessous de la rue Sparks, là, pour 4 milliards de dollars. Personne ne croit ça, là. Puis déjà, Québec est embourbé jusque-là, là, parce qu'il n'y a pas de soumissionnaire. Imaginez ce que ça va avoir de l'air à Gatineau. Je voulais juste vous faire un petit lien avec ça. En parlant de Gatineau, je ne sais pas si vous êtes capable de faire une comparaison, mais il y a un débat présentement Québec-Montréal sur l'heure maximale qu'on peut boire de l'alcool dans un parc avec un repas. Alors, tu sais, il y a bien du monde qui n'a pas d'air climatisé. On va avoir là une canicule, mais à Montréal dit, vous pouvez prendre une petite bière en ouvrant votre hamburger dans un parc, puis il y a une heure limite. À Québec, Régis a dit, je vais diminuer l'heure limite à 20 heures. Venez souper 25-6 heures, pas de problème. Prenez une petite bière, pas de problème. Ramassez-vous, puis agissez en bon citoyen. Tu sais, là, prendre une bière dans un parc ou prendre une bière sur une terrasse, là, si t'es pour être déplaisant puis tout croche, tu vas l'être pareil. Fait que ça, le débat, c'est quelle heure? Nous autres, à Gatineau? Pas d'alcool. Non, toi, tu t'en prends. À Gatineau, là, on est tous plus morons que Montréal puis Québec. On est tous des nonos, on sait pas comment se comporter. Une bière dans le corps, on vient fou. Puis nous autres, à Gatineau, c'est tolérance zéro. Il n'y en aura pas d'alcool d'impact. C'est simple pour vous montrer les différences, là. On va avoir une canicule. Il y a combien de monde en appart à Gatineau qui n'ont pas d'air climatisé? Ça peut-être que ce serait le fun d'aller dans un parc. Puis oui, je vais prendre une petite bière. Ah, oh, mon Dieu. Gatineau, la pure. Ah, mais on va ouvrir les terrasses, puis pas de problème. Moi, je trouve ça hypocrite pas mal. Surtout quand tu regardes, on veut se comparer aux grandes villes, puis on agit comme village. Comme d'habitude. Où on n'est pas village, par exemple, je veux féliciter l'Organisation des Grands Feux. Ils ont annoncé un retour. C'est un événement qui, moi, m'a toujours plu. C'est un élément important pour Gatineau et l'Outaouais. Ça rassemble les gens. C'est féerique. Ça fait rêver. Ça fait parler de nous. Regardons ce qui se passe notamment à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, puis même à Québec. Mais nous, là, avec le reflet dans la rivière, puis la colline parlementaire, le musée, c'est absolument extraordinaire. Fait que la meilleure des chances aux organisateurs des Grands Feux de cette année. Puis finalement, dernier point, je veux juste revenir sur le 104.7. Puis je vous disais comment j'étais déçu là, du problème éthique de mon ancien patron en permettant à Mario, mon ami Mario Aubé, de continuer à lire des nouvelles au 104.7 alors qu'il réfléchit à être candidat. Même pour vous montrer l'impact, là, il réfléchit à être candidat dans Masson-Angers.
Bien, dans Masson-Angers, il y a déjà deux candidats d'annoncés. Puis moi, ma recherche, là, parce que j'écoute pas ça là, à temps plein, mais ma recherche que je fais sur le site puis sur ce qui a été annoncé au 147, on n'a jamais parlé de ces candidatures-là. C'est drôle. Il y a une candidature pour Action Gatineau, Alain Bergeron. C'est un ancien candidat de la dernière fois. C'est un gars qui a été candidat pour Action Gatineau. Il a annoncé, il a gagné l'investiture, puis il a annoncé qu'il va être candidat pour Action Gatineau. 147 n'a pas dit un mot. Je comprends. Mario sera bien mal placé. Puis l'autre chose, oui, il y a un autre candidat indépendant, il s'appelle Sylvain Tremblay, un ancien de la commission scolaire. Fait qu'imaginez la scène, là. Mario Aubé s'en va lire le bulletin de nouvelles en annonçant qu'il y a deux candidats dans Masson-Angers. Vous trouvez pas ça malaisant? Il va être candidat possiblement, il y réfléchit. Est-ce qu'il va continuer à dire « Et la rumeur veut que Mario Aubé soit aussi candidat? » Bien sûr que non. Fait qu'il décide de ne pas faire la nouvelle. Est-ce que c'est d'intérêt public, ça, de taire le fait que des gens souhaitent être candidats? Pensez-vous. Puis si c'est pas d'intérêt public, voulez-vous me dire pourquoi les autres médias en parlent? S'il y a une radio qui doit être de proximité puis qui parle des affaires municipales, c'est bien celle-là. Puis parce qu'on n'est pas capable d'avoir une colonne vertébrale à la station, bien on décide de cacher une nouvelle à la population. Et ça, le résultat des courses. C'est tout pour aujourd'hui. L'indice du jour, c'est liberté. Comme pas dans liberté, là, mais des libertés, parce que ça s'en vient, on le sent, puis on le souhaite, puis on le mérite. Alors, liberté, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. J'aime ça, Mélie Mello, ça me permet de parler de toutes sortes de choses. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.